Bonjour à tous et à toutes mes gadgets, c'est Cage et bienvenue pour le 14e épisode. Oui, je pense que c'est 14 ou 15, je sais plus. Je suis désolé, j'ai oublié les chiffres de votre let's play sur The Last of Us. On a récupéré Joël malade, il est tombé sur ce que Ellie n'avait pas tué. Et maintenant, on doit la retrouver et la libérer. Comment ça court? Je comprends pas. Ah, ils me tendent un piège. Ok. Le problème, c'est qu'il fait des bruits avec son. Alors, soit t'as mal, soit t'as pas mal, mon ami. Vous allez parler, les gars. Tôt ou tard, je vais vous avoir tous un par un. Donc, soit vous allez me dire où est gentiment ma Ellie, soit vous allez tous mourir un par un et vous allez me dire que vous voulez ou non. Dans tous les cas, vous allez parler. On tient, connard! Allez, achève-le! Tu veux bien! Oh merde! Je te fais! Tu viens avec moi. Lâche-moi! On fait le petit! Elle est vivante. C'est la protégée de David. Où ça? Dans la ville. Dans la ville. Écoute, tu vas l'indiquer sur la carte. Et ça a intérêt à correspondre exactement à ce que ton pote me dit. Vas-y. C'est juste là. Tu peux vérifier. Demande-lui. Demande-lui, vas-y. Il te le dira. Je te mens pas. Je te mens pas. Va te faire foutre. Il t'a dit ce que tu voulais savoir. Je te dirai que dalle. C'est pas grave. Moi, je crois. Non, attends. Attends. Debout là-dedans. Allez. Lâchez-moi! Sors! Non, arrêtez! Je t'avais prévenu! Je suis infectée! Je suis infectée! Vraiment? Et vous aussi? Allez-y! Relevez ma manche! Regardez! Je vais jouer le jeu. Qu'est-ce que vous disiez? Tout arrive pour une bonne raison, c'est ça? C'est quoi cette merde?
Elle se serait transformée. C'est impossible. Ça m'a l'air vachement possible à moi. Oh super, on va devoir s'échapper. Il me faut une arme. Il me faut une arme. Bah ben bon courage, bah ça s'est fait, c'est fou. Allez, je peux le faire. Ouais ouais, super, une arme. Je la trouve où ton arme? Ok. Ah, c'est normal, c'est David. Ah bah maintenant, je sais pas sur... Est-ce qu'il va te tuer, vraiment? C'était trop cool. Cette fille a tué nos potes et maintenant elle est empêchée. C'est ultra serré, les gars. Je pense qu'il faut que j'en tue un. Et ensuite... Putain de merde! Une balle, super. Allez, 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 échappe-toi, échappe-toi, échappe-toi. Non, 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 non. Oh, heureusement qu'ils sont cons. S'ils me voient, je rigole. D'accord. D'accord. Je suis presque morte, hein. Heureusement, le brouillard va m'aider. Zigoki, je suis con, je vois pas. Je suis con. Bon, on s'échappe comment? Ils sont partout. Ben oui, ma chérie, ils sont partout. Où est-ce que je vais? Oh merde!
Il m'a vu ? Parce que s'il m'a vu, franchement, respect. Hein. Ah oui, il m'a vu. Bon. Mais non. Ok, bon, j'ai eu de la chance. Sans blague. C'est un labyrinthe, ma chère. Le problème, c'est même pas les claqueurs. S'il se retourne, je suis mort. Parfait. Et comme par hasard, ils ont pu mûre dans MDR. Putain, j'ai cru que c'était un ennemi. Je vais où ? Mais je sais pas moi-même, Ellie, je sais même pas où on va. Ils sont où ? On peut pas aller par là. Il te reste un millième de vie, je sais même pas où aller. On peut pas aller par là, donc il faut aller par là. Ah, peut-être qu'on va trouver des soins ici. Il y a de la lumière. Ça veut pas dire forcément qu'il y a du monde, hein, effectivement. Bon. Il y a rien du tout. Alléluia. Du soin. Nulle part. Pour sortir, il va te falloir ces clés. Je sais que t'es pas infecté. Un infecté ne se battrait pas à ce point-là pour rester en vie. Il me faut ces clés. Allez. Bien tenté, petite. Tout va bien se passer. Ouais, ben ouais. Cette
surprend sans cesse. Oh putain. D'accord, ok. On aurait dit comme si t'as activé mode, le God Mode. Salut. Il est où ? Je te fais ! Cours, petit lapin, cours ! Allez, on court. Oh putain, il est vénère. Je sais pas où il est. Ah, je le vois. Il est sérieux, il s'est mis en mode psychopathe accroupi, ce bâtard. Alors, combien de coups de couteau il lui faut ? Non. Casse-toi, Cassos. Non. Oh, j'ai vu des balles. Allez. Ok. Mais non, mais il m'a vu. Putain, je pensais qu'il avait Brain. Cassos. Il est où? Il est là-bas. Ok. J'ai pas des bouteilles, j'aurais dû prendre des bouteilles. Là, il est en mode psychopathe, hein, donc... Tu m'as pas vu. Allez. Ok, retour avec Jojo, le petit Joël. Joël, qui a l'air d'être un poil mieux. Alors, est-ce qu'on l'a tué? Est-ce qu'on l'a mis... Ah, bon, on n'est pas très loin, alors. On n'est pas très loin de là où on est. Ah. Tais-toi, meurs. Oh, il a bugué? Je jurais qu'il avait bugué.
Ça vise sa tête ou pas? Oh! Oh, je l'avais pas vu! Bon, toi t'es mort. Bon, vous t'es mort, toi t'es mort. Oh, mais... Ah, la caméra! Putain, j'ai fait... Caméra de merde. Et je peux pas, putain. Putain, j'ai pris des coups bêtement aussi. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire de l'arbalète. Depuis quand je suis un spécialiste de l'arbalète, moi. Bon, on n'est pas très loin alors. Il m'a vu. Il y a quelqu'un qui m'a vu, hein. Je sais pas qui. Putain, il n'y a pas un soin. J'avoue, c'est peut-être plus intéressant, ça. J'ai eu quelqu'un qui m'a tiré dessus, je sais pas qui. Mais il est où? Je sais pas où il est. Je voyais pas où il était. Un snipe, mais je le voyais absolument pas avec le truc là. Impossible de le voir. Un, deux... Ah, ok, ils sont en hauteur, ces bâtards. Ok, je viens de comprendre, je viens de piger le délire. Je l'avais pas visé. Tiens, dans ta gueule. Voilà, donne ça à Bibi. Ok, d'accord, je vois où ils sont. Voilà. Bon débarras. Non, on peut pas faire d'armes de mêlée, on n'a pas ce qu'il faut. Ah ok, il y en a encore un là. Adios. Bon, je parle un tout petit peu moins mes cagettes hein, depuis 2-3 épisodes parce que c'est assez chaud. Je suis pas très bon, donc ça n'aide pas non plus. Donc désolé, hein, je suis vraiment désolé. Si ça vous gêne, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous gêne pas, ouais, je sais pas quoi dire. Bon, maintenant il faut retrouver Ellie. Mais comme on dit, je pense pas que ça va se passer comme ça. Je sais même pas où aller. Je pense qu'il faut aller par là et continuer.
deux, trois. Je le vois pas, je sais pas. Bon, j'en ai tué un, ok, mais... Attends. Il y en a un derrière la voiture, d'accord. T'es très con, hein, mon ami. Hein. Il y en a en hauteur ou pas? Il y en a un que j'avais pas fini, hein. Je te tiens maintenant. Tu tiens qui? Je sais pas qui est-ce que tu tiens, mais tu tiens personne, mon ami, hein. Le rayon du mot d'écoute, j'ai bien fait, hein, de l'augmenter un peu. Il m'a éveillé. Ah, il est plus que vital en fait. Putain, mais ça me rappelle quelque chose ici en fait. Ok, c'est pas par là, donc ça doit être par là. Bah évidemment que la neige nous aide, hein. Des vêtements chauds. Ah non, c'est le sac des lits. C'est quoi ça? Ok. Comment ça se fait que les affaires des lits sont là? Oh, bordel. Bienvenue dans la maison des horreurs. Il faut que je la trouve. Malheureusement, elle n'est pas là. Elle était là, mais elle n'est pas là. Enfin, c'est une des maisons des horreurs, plutôt. Bah elle est dans ça. Je savais que t'avais du cœur. C'est pas grave d'abandonner. Y a pas de honte à ça. Est-il d'être aussi grossière? Tu peux me supplier. Tu penses me connaître? Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont je suis capable. C'est moi. Regarde. C'est moi. Il a essayé. Ça va.
Tu m'as entendu ? Non. Quoi ? Regarde. C'est l'hôpital. On est enfin arrivé. Allez, on y va. En tout cas, vu ce qu'il a pris ici, il était encore vivant. Tu sens cette brise ? Je sais pas comment l'appeler. Un jour comme ça, je me serais Jésus, sur mon porche, Dieu. Et j'aurais joué de la guitare. Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Bah écoutez les petits cagettes, on va s'arrêter. Donc on a enfin, je pense, passé l'épreuve avec les bandits, et notamment leur chef, Danny, si je dis pas de bêtises. On l'a enfin tué, ce psychopathe. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Si t'as regardé jusqu'au bout, déjà je suis très satisfait et content, c'est-à-dire que ma vidéo t'a plu. Donc n'hésite pas à lâcher un like. Active les notifs, comme ça tu vas rien louper du tout. Mes réseaux sociaux sont en bas de la description, n'hésite pas à les checker, il n'y a aucun problème. Si tu veux encore plus me soutenir et encore plus me donner de la force, n'hésite pas à t'abonner. Alors là, tu me donnes des étoiles dans les yeux. C'était Cage, mes petites cagettes. On va se retrouver très bientôt pour The Last of Us, votre let's play. Bisous, à bientôt.